Alors, on continue, s'il vous plaît. Donc, après les structures conditionnelles, donc on va passer aux structures répétitives. Donc, bien sûr, vous connaissez la syntaxe de for, do while et du do while. Donc, pratiquement, on va utiliser la même syntaxe. Et donc, un rappel, for, donc $i. Donc, ce n'est pas la peine de déclarer $i. Donc, on ne déclare pas. For $i reçoit 0, $i inférieur à $n, $i plus plus, instruction. Donc, on exécute ces instructions. $n fois. Par exemple ici, donc on va afficher les 6 niveaux de titre. Et donc $i allant de 1 jusqu'à 6. Donc $i inférieur strictement à 7. Et puis le compteur, donc l'incrémentation du compteur, $i plus plus. Donc rapidement, juste un petit rappel en ce qui concerne les boucles. Et donc ici, for $i reçoit, par exemple, 1 point virgule $i inférieur ou égal à 6 point virgule $i plus plus. Et donc, echo. Alors, h. Et donc ici, h $i. H $i. Titre. De niveau $i. Donc slash h $i. Alors on vérifie, actualiser, et donc titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3, titre de niveau 4, titre de niveau 5, titre de niveau 6. Alors, avec l'utilisation de la boucle while, donc vous pouvez bien sûr remplacer for par while. While, et donc avec while, on va garder seulement la condition. Donc, on va mettre l'initialisation à l'extérieur. Donc, $i reçoit 1, et puis l'incrémentation doit être après. L'incrémentation ici. Ici, il y a combien d'instructions à l'intérieur de la boucle while? Il y a 2 instructions. Et donc, un bloc qui contient plus d'une instruction. Donc, il faut le délimiter par des accolades. Il faut le délimiter par des accolades. On va vérifier, actualiser, donc même résultat. Vous pouvez passer à for si vous voulez, for. Et on garde la même syntaxe the while, mais vous devez délimiter la condition par des points virgules. Voilà. Et ça va fonctionner, bien sûr, parce que l'initialisation est déjà faite. $i reçoit 1. Donc, on fait l'initialisation une fois pour toutes. Et puis, l'incrémentation, juste après l'affichage. Et donc, on vérifie, actualiser. Voilà, même résultat. Même résultat. Alors, par exemple, si vous voulez afficher le message bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Juste pour vérifier. Alors, actualiser. Donc, bonjour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec l'utilisation de la boucle for, en adoptant la syntaxe do while. Et pour passer à la syntaxe simplifiée de for, on déplace l'initialisation ici et l'incrémentation ici. Et donc maintenant, il n'y a qu'une seule instruction à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas la peine de délimiter le bloc par des accolades. Les accolades ne sont pas obligatoires. Alors, actualiser, même résultat. La possibilité d'utiliser la boucle do while aussi. Donc, on peut utiliser la boucle do while à la place de la boucle for et la boucle while avec do while. Donc, d'abord, vous devez initialiser $i. Donc, $i est initialisé à 1. Et puis, do. Do. Et ici, donc, on va répéter l'exécution de ce bloc tant que while. Tant que $i est inférieur ou égal à 6.
Donc, tant que $i est inférieur ou égal à 6. Alors, je vais remplacer bonjour tout le monde par mon titre. Mon titre. Je remplace bonjour tout le monde par mon titre. Et on vérifie. Alors, actualiser. Et la décrémentation n'existe pas. Donc, voilà, j'ai oublié l'incrémentation. Donc, je vais ajouter l'incrémentation. $i plus plus. Alors, on vérifie. Actualiser. Voilà, donc mon titre 1, mon titre 2, mon titre 3, mon titre 4, 5 et 6. Alors, sans incrémentation, si on n'incrémente pas, boucle infinie. Si on n'incrémente pas, boucle infinie. Alors, un autre exemple. $i reçoit, par exemple, 1. While $i inférieur à 10, à 12. Echo $i point br et $i plus plus. Quel sera le résultat d'exécution? Le résultat d'exécution. $i est initialisé à 1. Et donc, il va nous afficher quoi? Les autres? Oui? Il faut des accolades obligatoirement, sinon, on va avoir une boucle infinie. Sinon, une boucle infinie. Donc, pour éviter d'avoir une boucle infinie, regardez. Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, il va nous afficher écho. 1, 1, 1, 1, 1, et ainsi de suite. Il n'y aura pas d'incrémentation. Alors, on vérifie, actualiser. Voilà, donc c'est une boucle infinie. Regardez, vous voyez, je vais arrêter. Donc, stop. Voilà, donc, boucle infinie. Et donc, il faut des accolades, accolades, accolades. On vérifie maintenant. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Voilà, c'est tout par rapport aux boucles. Donc, la boucle for, la boucle while, la boucle do while. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que ça, c'est juste un rappel. Alors, on va passer maintenant au tableau. Donc, bien sûr, vous allez trouver dans le cours des exemples. Voilà, donc ici, ça, c'est un exercice sur les boucles. Donc, avant de passer au tableau, essayons de réaliser cet exercice. Alors, ici, je vous demande de créer un script PHP permettant d'afficher la table de multiplication sous la forme suivante. Et donc, essayez de réaliser ce... Voilà, de réaliser cette table de multiplication. Voilà, donc vous allez afficher une table de multiplication dans un tableau HTML. Donc, je pense que vous connaissez déjà la balise table et comment, bien sûr, représenter un tableau sous forme de lignes et de colonnes. Allez, donc je vous donne combien? 15 minutes, 30 minutes? 10 minutes. Alors, je vous donne 10 minutes. Allez-y, donc rapidement. Prenez un brouillon. Voilà, donc on corrige ce TP. Donc, on cherche à créer un script ou bien à réaliser un script PHP qui permet d'afficher la table de multiplication. Donc, vous devez respecter la mise en forme. Donc, bien sûr, ici, il s'agit d'un tableau HTML, un tableau HTML dynamique. Donc, nous allons utiliser la balise Tsybel. Alors, utilisons la balise Tsybel. Voilà. On ferme Tsybel. Et puis après la balise Tsybel,
Donc, nous allons commencer par la première ligne. La première ligne, car c'est une ligne qui est statique. Ce qui est dynamique, c'est le contenu. Donc, la première ligne est dynamique et la première cellule de chaque ligne est aussi statique. Et le contenu est dynamique. Parce que le contenu, c'est le résultat de la multiplication de, par exemple, de, des valeurs, ou bien de la valeur de chaque cellule, ou bien de la cellule de chaque ligne, multipliée par la valeur de la cellule de la première ligne. Alors, et donc, créons d'abord la première ligne, TR. Voilà, donc on ferme ici, TR. Alors, je vais récupérer la couleur de cette première ligne. Donc, le code de la couleur est déjà donné. Et donc, BG, je vais utiliser la propriété BG color pour colorer la ligne. Pour avoir des bordures, je vais utiliser la propriété border avec comme valeur 1. Je vais créer les cellules de la première ligne. Les cellules de la première ligne, donc la première cellule est vide. Et le contenu de chaque cellule est centré aussi, il est en gras. Donc un contenu qui est centré est en gras. Et donc là, je vais utiliser, au lieu de la balise TD, je vais utiliser la balise TH. La balise TH. Pour avoir un contenu centré et en gras. Alors, la première cellule vide, TH, donc toujours la première ligne, regardez, ça c'est la première ligne, toujours la première ligne. La première cellule vide de la première ligne. Et puis les autres cellules, combien de cellules? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais utiliser une boucle. Une boucle allant de 2 jusqu'à 9. Boucle allant de 2 jusqu'à 9. Et donc, il faut des balises de PHP, donc point d'interrogation PHP, point d'interrogation, donc l'utilisation de la boucle, alors for, $i allant de 2, point virgule, $i, inférieur strictement à 10 ou inférieur ou égal à 9, point virgule, $i, plus plus. Voilà. Et puis, echo. Echo, TH. $i slash th. Voilà. Alors, on vérifie. Actualiser. Voilà. Vous voyez le résultat d'affichage? Alors, on peut bien sûr modifier ou bien personnaliser la largeur de la table en utilisant la propriété 8. Donc, reçoit par exemple. 480 actualisé. Voilà le résultat. Si vous voulez centrer le contenu de la page, on peut utiliser la balise center pour centrer tout le contenu. Donc center. Et je vais fermer la balise ici, slash center. Slash center. Actualiser. Voilà, donc le contenu de la page est centré. Et donc, j'ai commencé seulement par la création de la première ligne. La première ligne. Alors, je passe maintenant à l'étape suivante. Après, je vais créer les autres lignes. Et je vais afficher seulement la première cellule de chaque ligne. Juste la première cellule de chaque ligne. Donc, pour construire les autres lignes, il faut aussi une boucle. Une boucle allant de 2 jusqu'à 9. Une boucle allant de 2 jusqu'à 9. Alors, utilisons une boucle. Donc, une boucle. Juste après cette ligne, donc les autres lignes, on va les construire avec une boucle. For ou bien while, si vous voulez. Mais bien sûr, il faut un code PHP. Point d'interrogation PHP. Point d'interrogation. Et donc, for
dollar i allant de 2, point virgule dollar i inférieur strictement à 10, point virgule dollar i plus plus r. Et puis, les accolades. Et donc, je vais construire la ligne écho TR. Et je vais fermer la ligne ici. Écho slash TR. À l'intérieur de la ligne, je vais afficher seulement la première cellule. Seulement la première cellule. Et donc, écho TH dollar I slash TH. On vérifie maintenant. Actualiser. Voilà. Et bien sûr, il faut faire attention à la couleur. Allons voir la couleur proposée. Et donc, je vais prendre la même couleur de la première ligne pour colorer les cellules. Mais la couleur maintenant, cette fois, concerne seulement la première cellule. C'est-à-dire que je dois viser la balise TH directement. Alors, je prends cette propriété avec sa valeur. Et je vais aller à la balise TH, CTRL-V. Donc là, il y a l'utilisation de plusieurs double codes. Vous voyez? Et donc, il faut échapper ces double codes. Vous devez les échapper, sinon vous devez utiliser des single codes, des apostrophes. Et à l'opérateur de concaténation, si vous voulez. Donc, par exemple, ici, apostrophe. Voilà. Et puis ici, on a une variable. Et donc, il faut... Voilà, utiliser l'opérateur de concaténation. Donc, la mettre à l'extérieur. Point. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Voilà le résultat. Je suis en train de construire cette table étape par étape. Et donc, il me reste maintenant le contenu. Le contenu qui est basé sur des opérations de multiplication. Et aussi la production des cellules. Et donc, on va produire des cellules ici. Et donc, le résultat de chaque, ou bien la valeur de chaque cellule est le résultat d'une opération de multiplication. Nous avons utilisé la boucle for $i pour préparer des lignes. Nous allons utiliser une boucle imbriquée pour construire les cellules. Une boucle imbriquée. For dollar J. Et donc, à l'intérieur de la même boucle, ici, et après la construction de la première cellule, je vais utiliser une autre boucle, à l'intérieur de la boucle principale. Et cette boucle va concerner les cellules de chaque ligne, en plus de la ligne statique, de la cellule statique. La première cellule, on va construire les autres cellules. Et donc, for dollar J, reçoit 2, point virgule dollar J inférieur ou égal à 9 ou inférieur strictement à 10, point virgule dollar J plus plus. Alors, je vais utiliser une variable d'aide, donc dollar produit, reçoit dollar I fois dollar J. C'est ce que vous avez fait. Fois $J. Et après, nous allons afficher les autres cellules. Alors, écho. Par exemple, l'utilisation de la balise TD. $produit. Slash TD. Et après, on va voir le résultat d'exécution. Allons voir le résultat d'exécution. Il nous a préparé la table de multiplication, mais la forme
ne correspond pas à la forme demandée. Et donc, il faut revoir la mise en forme. Donc, revenons à la table de multiplication demandée. Le contenu doit être centré, toujours. Il faut toujours centrer le contenu. Et donc, on peut résoudre ce problème avec la propriété de la balise TD. La balise, la propriété align, la propriété d'alignement. Et donc, utilisant cette propriété, donc reçoit center pour centrer le contenu de la cellule. Et donc ici, pour résoudre le problème de plusieurs double cotes, on a utilisé des single cotes ici. Il y a la possibilité aussi d'échapper les double cotes utilisées ici à l'intérieur. Anti-slash, avec anti-slash, voilà. Avec l'utilisation de anti-slash. Vérifions maintenant le résultat d'affichage. Voilà. Le contenu est centré. Il nous reste quoi? Ici, les cellules qui existent dans la diagonale doivent être leur contenu doit être centré et aussi doit être en gras. Et donc, comment peut-on le mettre en gras? Et quand est-ce qu'il faut, utiliser la balise TH pour avoir un contenu en gras? Et quand est-ce qu'il faut utiliser la balise TD? Et donc, on a deux choix. Soit l'utilisation de TD, soit l'utilisation de TH. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser la balise TH? C'est $I égale à $J. Regardez, ça c'est $J. Ça c'est $I. Ça c'est $J. Et donc, si $I égale à $J, donc on va utiliser la balise TH pour avoir un contenu centré en gras, au lieu de l'utilisation de la balise TD. Et donc, if $I égale à $J, écho TH, au lieu de TD. Et donc, nous allons ajouter une condition ici. If $I égale à $J, écho. Donc, ici, TH. Alors, TH, dollar produit. TH. Else echo TD. On vérifie. Actualiser. Donc, les cellules de la diagonale maintenant sont en gras. Les cellules de la diagonale sont en gras. Il nous reste quoi? Les couleurs. Alors, donc ici, il y a une alternance. Donc, couleur blanche, couleur rose, couleur blanche, couleur rose. Donc, quand est-ce qu'on utilise la couleur blanche? La couleur par défaut. C'est $I et pair. C'est $I et pair. Regardez, c'est $I et pair. On utilise comme couleur par défaut la couleur blanche. Et si $I est impair, on utilise la couleur rose. Donc, il faut une condition liée à l'utilisation de la couleur. Donc là, je vais ajouter une variable $couleur, initialisée avec une valeur par défaut, donc une chaîne de caractères vide pour avoir la couleur blanche. Et donc ici, à l'intérieur de la boucle, variable $couleur. C'est une chaîne de caractères, donc une chaîne vide. Alors, par la suite, nous allons faire un test. If, on va vérifier si $i est pair. If $i, quand est-ce qu'il faut utiliser cette couleur? Si $i est impair. Donc, je vais prendre la valeur ou bien le code de la couleur qui est déjà donné. Est-ce que vous avez utilisé en C++?
modulo. Vous avez utilisé modulo. Donc, on va faire la même chose. On va utiliser le même symbole. Et donc, if $i modulo 2 impair, c'est-à-dire égal à 1. If $i modulo 2 égal à 1, $couleur égal le code donné. Et puis après, bien sûr, il y aura l'affichage Donc, il y a déjà ici, voilà. Donc là, je vais mettre, bien sûr, cette variable à l'extérieur, ce bloc de code à l'extérieur. Ça doit être à l'intérieur directement de la boucle principale, la boucle for, parce que nous allons colorer des lignes et pas des cellules. Et donc, $couleur égale, if $i modulo 2 égale à 1, $couleur devient, donc, dièse F60ABF. Et puis, donc ici, echo, nous allons utiliser la propriété bgColor. Alors, bgColor égale, donc, anti-slash, $couleur. Voilà. Et comme ça, on va avoir des lignes colorées en fonction de la valeur de $i. Alors, on vérifie le résultat d'affichage. Actualiser. Et voilà le résultat d'affichage. Donc, j'ai obtenu la forme demandée. Bien sûr, j'ai essayé de construire cette table de multiplication étape par étape. J'ai commencé d'abord par la création de la table, la première ligne, la cellule de chaque ligne. Là, je pars des autres lignes. Et puis après, j'ai préparé le contenu. Et ça, c'est un TP très intéressant, car dans lequel nous avons créé un tableau HTML dynamique. Nous avons utilisé les boucles. Nous avons utilisé aussi les structures conditionnelles. Nous avons utilisé modulo. Et aussi, il y a une mise en forme qui est personnalisée, donc en fonction de nos besoins. Donc, on peut aussi la modifier. Avez-vous de questions? Avez-vous des questions par rapport à ce code? Sinon, vous allez trouver une autre proposition. Voilà. Il y a déjà une autre proposition. Voilà. Donc, la proposition est déjà donnée. Donc, ici, je n'ai pas utilisé une boucle pour construire la première ligne qui est supposée statique. Et donc, ce n'est pas la peine d'utiliser le code PHP. Donc, directement, TH 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et puis, la boucle principale et l'autre boucle. Donc, vous allez voir... Vous allez voir, bien sûr, ce code dans le cours. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à autre chose. On passe au tableau PHP.